Salut à tous, aujourd'hui voici une idée de contenu qui est très originale, qui va vous permettre de créer du lien avec votre audience et qui est parfaite pour le confinement. Alors, comment font la plupart des blogueurs dans leur activité? Ça y est, j'ai perdu mon feutre, je ne sais plus où je l'ai mis, ben, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Donc comment font la plupart des blogueurs, des youtubeurs, des podcasteurs? Ils créent du contenu. Ok, ils font la promotion de ce contenu pour le faire connaître. Contenu plus promotion donne trafic. Le trafic génère des inscrits. Et vous, à ces inscrits, vous faites des offres. De temps en temps, vous envoyez des emails pour parler de vos produits, donc vous faites des offres. Et une fois que vous avez fait ces offres, vous faites des ventes et il ressort des revenus pour vous. Ok ? Ça, c'est le principe général du blogging, de YouTube, de ce que vous voulez. Rien de neuf. Le problème de tout ça, c'est que c'est froid. C'est froid. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de faire de l'informatif et ils vont pas avoir ce petit truc en plus, ce lien de confiance qui va faire qu'ils sont différents de leurs concurrents. Alors, la différenciation, j'en parle beaucoup, beaucoup sur Traffic Mania. Il y a plein de manières de le faire. Le storytelling du contenu qualitatif, c'est deux pistes très, très puissantes. Et je vais vous donner une autre stratégie ici qui va vous permettre de faire quelque chose d'un peu différent, de montrer aux gens que vous êtes quelqu'un de réel, d'accessible, de créer de l'échange avec les gens. On va faire une petite conférence à la maison. Et ça, c'est un truc que vous devriez tenter. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un webinaire. Un webinaire, c'est une conférence à la maison, effectivement, dans laquelle vous allez essayer de vendre un produit. Mais le problème des webinaires, c'est qu'il faut des logiciels qui sont compliqués. C'est des logiciels qui sont chers, qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Et faire de la vente en webinaire, c'est un art. Et je vais pas vous apprendre ici en 10 minutes comment on fait de la vente en webinaire. J'avais créé dans le passé une formation sur le sujet. Elle dure plusieurs heures. Donc, c'est vraiment un art particulier. La vente en webinaire. Il y a quelques années, j'en faisais sur Traffic Mania, ça marche très très bien. Non, là, on va faire une conférence sur un sujet qui va intéresser votre audience et qui va vous permettre de créer un peu du lien et d'échanger avec les gens. Et ça va vous permettre de vous différencier de vos concurrents qui, eux, se contentent le plus souvent d'envoyer des emails. Là, vous allez faire un truc un peu interactif et les gens vont se dire « Ah, il est sympa, lui, je peux échanger avec, il répond à mes questions, il a l'air de s'y connaître, j'ai quand même bien envie de prendre son produit, etc. » Vous voyez, ça va faire avancer la relation vers la vente. Donc comment faire cette espèce de petite conférence? Eh bien l'idée c'est d'utiliser des outils de réunion gratuits et de les proposer à votre audience et de faire cette petite réunion le jour J. Alors comment faire? Pour créer cette petite conférence, il vous faut déjà un sujet. Ok, moi ce que je vous conseille pour votre sujet, c'est d'aller voir sur un forum de votre thématique ou les chaînes YouTube concurrentes et d'identifier des vidéos ou des sujets donc qui ont eu beaucoup de vues, beaucoup de réponses, qui ont généré de l'intérêt. Donc si vous êtes dans l'immobilier par exemple, vous pouvez très bien identifier un sujet comme comment négocier les frais d'agence. Voilà, vous allez trouver un truc sur les frais d'agence. Et donc vous allez faire la préparation de votre conférence, donc ça c'est très simple, hein. Vous allez par exemple simplement prendre des notes et lister les étapes de 1 à 7 par exemple pour négocier les frais d'agence. Donc après c'est vous l'expert en IMO, voilà, vous savez comment on négocie des frais d'agence de 1 à 7. Étape 1, étape 2, étape 3. Donc vous vous faites soit en prise de notes, soit mieux vous préparez des diapos, genre PowerPoint Online, la version gratuite de PowerPoint, ou Google Slides qui permet également de faire des diapos. Ok, voilà, PowerPoint Online, Google Slides, vous préparez votre petit PowerPoint. Alors attention, hein, quand on fait des diapos, le conseil de base, c'est que sur chaque diapo, il faut juste mettre une ou deux phrases clés. Il y a plein de gens, ils écrivent des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de textes. Il ne faut jamais faire ça, c'est ultra fatigant pour l'audience, c'est imbitable. Il faut marquer l'idée clé en deux lignes. Et ensuite, vous allez parler sur l'idée clé. Donc, s'il y a 7 étapes, vous faites 7 diapos avec 7 idées clés. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement rapide à faire. Donc, vous préparez votre document. Une fois que le document est préparé, vous allez aller sur le site de Zoom. Donc, c'est une solution en ligne de salle de réunion virtuelle. Il y a beaucoup de gens en télétravail qui l'utilisent en ce moment avec le confinement. Donc, Zoom, ça a la possibilité de faire des réunions gratuites jusqu'à 100 personnes pour 40 minutes. Vous voyez, c'est déjà super confortable. Et donc, vous allez dans Zoom, et dans Zoom, il y a un petit tutoriel pour créer sa réunion. Donc, on se crée un compte, on crée sa réunion. Donc, en gros, on choisit la date et l'heure.
Et Zoom, il va vous générer un lien de connexion. OK ? Ce que vous allez faire une fois que vous avez votre lien, donc voilà, on ne voit plus rien. Ce que vous allez faire une fois que vous avez votre lien, ah bah ce feutre-là, il ne marche pas plus, c'est que vous allez faire un email à votre liste. Et dans cet email, vous allez leur dire, voilà, demain, je vais faire une petite conférence en ligne sur comment négocier les frais d'agence. C'est gratuit. Le lien pour y accéder, le voici, et vous collez le lien, et vous leur dites, c'est demain à 14h, par exemple. Mais attention, il n'y a que 100 places. Donc, seuls les 100 premiers pourront y assister. Donc, en même temps, ça crée un petit peu de pression pour que les gens aient vraiment envie d'y aller. Donc, effectivement, si vous voulez plus de monde, bah, il faudra prendre des versions payantes, un peu plus chères, etc. Mais je pense que déjà, avec 100, vous êtes confort. Vous envoyez votre petit email, et le lendemain, à 13h55, vous vous connectez, vous lancez votre document, vos diapositives, PowerPoint ou Google Slides, et vous commencez à raconter. Salut à tous, voilà, je suis ravi de vous accueillir. Alors, on va parler des frais de notaire. Donc, vous avez déjà vécu cette situation, voici la première étape, voici la deuxième étape, etc., etc. Et vous essayez de faire un truc qui dure une vingtaine de minutes et puis de garder 10-15 minutes de questions-réponses. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont vous poser des questions. Les gens, ils vont vous envoyer des messages en chat. Ils vont se rendre compte que vous êtes quelqu'un qui tient la route. Ils vont se rendre compte que vous êtes quelqu'un qui est présent. Il n'y a plus ce côté froid, distance qu'il peut y avoir parfois lorsque on fait juste du blogging classique. Donc, c'est un excellent moyen de vous différencier. Alors moi, personnellement, je faisais du webinaire au début de Traffic Mania. C'est un gros, gros boulot, mais ça vend très bien et c'était un moyen vraiment pas mal du tout de créer de la relation avec l'audience. Donc moi, je vous invite à avoir ce maximum de proximité avec votre audience. Et cette petite stratégie, elle est parfaite pour le confinement parce que les gens sont chez eux, les gens ont le temps. Et s'ils sont intéressés, ils vont se connecter à votre réunion Zoom et ils seront ravis de pouvoir échanger avec vous. Alors faites attention, au début de la réunion, demandez aux participants de couper leur micro, sinon ça va vite devenir une cacophonie. Il faut que vous soyez le seul à parler. Effectivement, si vous voulez avoir un contrôle total, il faut à ce moment-là peut-être investir dans un logiciel de webinaire, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Juste pour faire un coup d'essai, Zoom est juste parfait pour vous lancer. Voilà, n'oubliez pas que cette stratégie aura plus de succès si vous avez beaucoup de trafic. Pour avoir une formation trafic gratuite, inscrivez-vous à la newsletter de Traffic Mania. Vous la recevrez immédiatement après votre inscription. Le lien est juste là dans la description. Vous recevrez également des emails avec des astuces exclusives. Il me reste à vous dire un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !